Yo tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, on continue Hello Nightboard, bien évidemment. On va se faire la petite suite. J'espère que ça va bien se passer. Je me rappelle qu'on était, techniquement, on s'est arrêté dans l'armoire du voisin et là on est à l'extérieur. J'ai rien perdu. Ah non, c'est bon, j'ai la clé, j'ai deux pieds de biche. On va aller rentrer un pied de biche. J'ai pas l'intérêt d'avoir deux pieds de biche, ça me prend une place dans mes slots en plus de ça, donc ça va dégager assez rapidement. Alors, c'est où? Là-bas. On va aller faire ça. En tout cas, gros kiff. Hein. Gros kiff sur le jeu pour le moment, les amis. J'adore. Gros coup de cœur. Je suis contente, ça vous plaît aussi. Là, j'essaye de le faire par chapitre. J'aurais dû m'arrêter techniquement à la boulangère et faire le voisin avec dans un épisode d'après. J'ai tellement été prise dans le bail que j'ai commencé le voisin. Donc, c'était pas mal. Donc là, je vais aller déposer le pied de biche. Et dès que c'est fait, on retourne chez le voisin. D'ailleurs, est-ce qu'il a un nom, voisin? Est-ce qu'il a un prénom? On le connaît son prénom ou pas? Putain, mais là de nouveau j'ai perdu tous les items. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'y comprends rien, système, mais bon. Hop, on y va. Ah, c'est par où? Merde, c'est par où? Attends, là il y a la boulangère. Normalement c'est pas loin de la boulangère. Là. Ouais, je sais pas s'il a un nom. Ce serait bien. Bon les gars, comme d'hab, hein, je tiens à repréciser, je me suis levée il y a pas longtemps. J'ai une allergie, c'est chiant. J'ai une bête d'allergie. Du coup je passe mon temps à me moucher, j'ai les yeux gonflés, on dirait un petit poisson globe. Laissez tomber, c'est n'importe quoi. Allez, let's go. On y va. Ok, je suis à l'étage. C'est vrai que j'avais une clé aussi, faut que je m'en serve de cette clé. Pense qu'il est pas monté. La tête. Moi j'ouvre tout, hein. Je sais pas si je suis censée faire ça. Je sais. Oh! Je sais pas si je suis censée faire ça, mais je le fais. Il est redescendu. Vous entendez? Il y a quelqu'un qui pleure. Et je vais voir ce qu'il y a là. Il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui pleure, donc notre très cher ami a enfermé quelqu'un. Je pense que c'est le gamin qu'on a vu en cinématique. Hein. Oh, tu peux ouvrir là? Ah, on n'a peut-être pas le droit de rentrer. Ah, si. Oh non. C'est une prison? Vous entendez les pleurs? Oh là 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 là, c'est quoi ce bordel? C'est dingue, glauque. Et on peut passer par là? On peut passer par là, mais en fait, tu vas pas plus loin. Ok, bon ben. Oh là là, pauvre enfant. Mais évidemment, ne me spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que j'en ai vu certains qui peuvent pas s'empêcher de spoiler. Hein. On leur dit ne spoilez pas s'il vous plaît. Il faut clairement que ce soit les premiers de la classe. Hein. Il faut qu'ils soient en mode moi, 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 si je peux te dire. Et il en manque un.
Par contre, après, faut connaître le sens, l'aiguillage. Bon. Ça suit un câble. Sauf que c'est le câble de la trappe. Il y avait une trappe au plafond. Et le gamin est au plafond. Enfin, au plafond, à la trappe, je pense. Parce que... il y avait une image avec un enfant qui montait des escaliers. Ça mène au grenier. C'est fermé. Bon, on va redescendre. Hop là. Vous entendez ? Là. Quoi ça ? Oh, c'est horrible. Hein. Oh là là. Ah, là, il est là, le gamin. Sauf que la fois dernière, c'était pas du tout un gamin qui était là. Il est là. Dans la démo, on avait fait une démo du jeu. Et dans cette fameuse démo, c'était pas un gamin. Enfin, on sait pas trop qui c'était. Ouais, c'était derrière, là, là. Et en fait, oula, oula. Ah bah là, il y a une manivelle, il y a un truc. Et en fait, on s'était fait choper par le corbeau, ou la démo s'est arrêtée là. Je sais plus. Mais en gros, je crois que c'était pas le gamin. Hein. En fait, la dé... voilà. Moi, j'essaye de tout ouvrir, déverrouiller les zones. Je peux passer par un coin ici. Yeah. Donc là on passe par là. Ah mais c'est pas la clé qu'on a là. Oh putain, elle est là la clé. Putain. Ah, il m'a chopé, c'est pas grave. J'avais tout, ce n'est pas grave. Par contre, on a vu qu'il y avait une sorte de petit bouton. Trop forte, hein. Clé de cœur. Clé de cœur, c'est à l'étage. Dans le doute, je sors par là. Oh putain. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? La clé de cœur. Oh le bordel. J'ai déverrouillé. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais perdu mon ciseau aussi. Techniquement, j'ai déverrouillé la porte. Par contre, il va méga vite. Est-ce que je peux passer par un autre endroit ? Merde. Oh. What the fuck?
Je suis passée au travers, j'aurais peut-être dû casser la vitre, non? Par contre, j'ai plus mon pied de biche, au fait. J'aurais pensé... Help me. Mais what? Heureusement, j'avais jeté un pied de biche ici. Ah, le chasseur! Mais what? Oh, le bail, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, le chasseur. Je sais pas, par contre, si c'était normal ou pas. Quand j'ai attrapé la photo, j'aurais dû casser le truc en verre, je pense. Oh! C'est horrible, le gamin avec son t-shirt ennemi. C'est horrible. On va aller voir le chasseur, puis je pense qu'on va s'arrêter là. Juste, faut trouver où il est. Cette maison-là, on l'a pas encore faite. Le chasseur, on l'avait fait pendant la démo. Alors, je pense pas que ce sera les mêmes énigmes, hein, bien sûr, mais... On l'avait fait. Déjà, où est le chasseur? Faut le trouver. Oh, l'image infâme. Ça doit être ça, non? Je pense que ça doit être là, hein. Ah bah non, c'est la grange. Merde. C'est laquelle, la maison du chasseur? Zut, à la fin. Attends, là c'est la grange. Ah, là-bas, là-bas. Non? La maison en bric-à-brac, là. C'est une maison de chasseur, ça. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à regarder. Pas mal de choses même. Je vais déjà monter là-haut. Moi c'est toujours une sensation de sécurité hein. Quand je peux grimper, je suis contente. Est-ce qu'il y a des trucs là-haut? Ah non, bah, tout ça pour ça. Il y a que dalle en fait. Oh, j'étais trop contente, j'ai cru que... Oh, une pelle. Ok, ça c'est cool. Alors par contre, je sais pas ce que je vais foutre d'une pelle. Creuser, hein, bien évidemment, mais... Alors quoi? Où? Comment? Ah là là. Flûte alors. Là-bas, il y a une sorte de pont. Je pense que c'est pas pour rien. Oh, et let's go. Let's go. Oh! Oh, ça fait peur. Ok. Donc ça va... Ah. Moi j'aime bien quand je suis nichée en hauteur comme ça. Il y a des têtes. Je vais voir à quoi ça ressemble. Oh, il y a un ours qui tient un morceau de carte. Mais alors attends, par où je m'échappe? Parce que moi, dès que j'ai ce morceau de carte, il faut que je trouve un moyen de m'échapper. Bon, je peux me planquer là-dedans, en attendant. Attends, attends. Est-ce que je peux même pas casser ça, peut-être? Ah, j'allais descendre, là. J'allais faire une énorme connerie. Ah! Il faut un appareil, ok? Ici, il y a un coffre qui nécessite une clé. Cet endroit, on le connaît bien puisqu'on l'a découvert dans la démo. Je vais attendre qu'il remonte. Je vais juste voir un peu à quoi ressemble la maison avant qu'on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans la démo, il devait construire quelque chose. On va le laisser monter tranquillement. Oh, il est là! Il est là, le truc! De l'ours, là. Ok. Ok.
Il revient, non? Il a entendu quelque chose qui fait qu'il est revenu. Est-ce que j'ai marché sur une planche, une connerie? Il a sorti son fusil aussi. Ça fait peur. J'attends. Il revient là. Ok donc. C'est ça, vite. Ok, on va la jouer safe. Vous allez dire c'est dégueulasse comment tu la joues. Comment ça c'est dégueulasse? Ah, je vais la jouer safe de ouf. Oh non, c'est timé le truc de la tête de cochon là. Ah non, j'aime pas ça. Oh non. Attends, j'ai eu quoi? J'ai eu une pelle, la pelle est au sommet. Ok, il m'a filé une carte. Il y a écrit 1. Merci pour cette info. Merci. Eh ben écoutez, vous savez quoi? On va se laisser un peu de suspense, hein, comme on dit. On va se laisser un peu de suspense pour le prochain épisode, les amis. Donc j'ai quoi? Une pelle? En fait, il faut que je trouve un endroit à creuser. Attends. Je vais voir un truc avant qu'on se laisse. J'entends marcher, mais je sais pas si... Ah, là, il est là. Là, c'était cette porte-ci, là. Je crois que là, c'est là. Ok. Il a pas de clé, de truc sur lui. Il a son tablier, mais j'ai pas l'impression qu'il ait quoi que ce soit. Oh, si, il a une clé. Il a une clé. Et merde. Ah, j'aime pas ça. Là, il y a un truc aussi. Hein. Faut rien faire avec ça? Je pense que la carte me donne l'endroit où je dois creuser. Je pense. Et tu peux pas aller plus loin. Après, il y a un pont. Est-ce que je peux pas me diriger vers le pont? Peut-être, hein. On va voir. Je vais m'y diriger. Peut-être qu'on a quelque chose. Je me dis, à quoi il sert ce pont Ouais. Et le bout de carte, ça dit quoi? Non. Ça montre une maison. Attends, en bas, il y a genre un arbre. Attends, une maison qui fait un chemin. Mais c'est où ça, la maison avec le chemin? J'ai aucune idée, moi. C'est la maison du flic? La maison avec le chemin. Ah, je sais pas où c'est. Hein. Oh là là, va falloir faire des recherches pour le prochain épisode. Hein. Va falloir boucler toute la zone. On va la quadriller, c'est ça le terme exact. Il va falloir quadriller toute la zone. Donc c'est ça. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Oh non, c'est pas du tout ça, je fais de la merde. Ah, j'y ai cru. Hein. Pendant 2 secondes, je me suis dit que j'étais high level, pas du tout. Ok. Si je prends la pelle dans ma main là.
Il est addictif, ce jeu. Je fais que de vous dire que je vais vous laisser, je vais m'arrêter là, on verra pour le prochain épisode, et finalement, qu'est-ce que je fais? Je continue. C'est du foutage de gueule. Ok. Je vais voir si je peux pas creuser au pied d'un arbre. Ah, tu peux aller sur les nénuphars. Oh, tu peux aller dans la flotte. Ok. Je me dis qu'il y a peut-être un tas de terre, un truc que je peux... Vous voyez, on peut aller un peu loin quand même. Hein. Après, si tu sais lire une carte, je pense que ça va tout seul. Mais ça se trouve, après, la carte, faut la poser quelque part aussi. Je m'obstine à vouloir essayer de la lire. Mais peut-être qu'il faut tout simplement la poser quelque part. Hein. Il y a la lettre F dans les toilettes. F, qu'est-ce que je fais avec F? Lettre F dans les toilettes. Ah putain, il y a un autre cochon. Alors est-ce qu'il y a un ordre? Il y a peut-être un ordre hein, pour qu'il... Non, c'est timé. Soit c'est timé, soit il y a un ordre pour qu'il baisse la tête. Ah, il y a la photo. Là-bas. On va faire un truc. Quand tu veux, hein, Brutti, hein. Je vais prendre une balle perdue, là. Ok. On va s'arrêter là, les amis, pour cet épisode. Et on va fouiller dans le prochain épisode. Moi, je veux savoir ce qu'il y a. Donc, on verra ça sur le prochain épisode. J'ai trop hâte de voir, trop hâte de le continuer pour voir ce qui va se passer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous fais un très très gros bisous. Je vous dis à demain pour la suite d'Hello Neighbor. Ciao!